Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien, moi perso ça va super. Et aujourd'hui on va faire un vlog nocturne. Et oui, vous êtes nombreux à m'avoir demandé de vous montrer un peu les décorations de Disneyland Paris de nuit. Et en plus en ce moment c'est la période d'Halloween. Et je trouve qu'au niveau décoration ils ont mis vraiment le paquet pour les décorations nocturnes. J'espère que ça va vous plaire, c'est parti. Du coup on est sur Main Street et on peut voir que pour la saison d'Halloween ils ont vraiment mis le paquet au niveau des guirlandes juste au-dessus de moi. Franchement ça rend trop bien, c'est trop beau. Donc on va faire un petit tour au niveau de Frontierland, de Phantom Manor, Fantasyland je crois que c'est pas forcément éclairé la nuit. Et Discoveryland c'est vraiment trop beau. Bref, je vous emmène avec moi, allez venez, suivez-moi. Ah oui, bon là. Là on est à Frontierland, regardez, petite tête de Mickey en forme de citrouille avec bam, petit chapeau avec des fleurs, bam, bam, des fleurs, des flammes plutôt pour mettre une petite ambiance un petit peu ranch, far west, cowboy, etc. Et puis on a écrit Frontierland, bref, j'arrête de parler, je vous montre un peu tout ça. Ouais. Eh, c'est beau quand même Phantom Manor de nuit. Bon, c'est un peu dommage qu'il soit pas ouvert hein, avec cette petite ambiance lugubre, ça aurait été cool. On arrive dans une de mes parties préférées eh bien, du parc, clairement de nuit, parce que c'est justement cette ambiance mexicaine avec El Fuente del Oro, non, avec Los Días de los Muertos, plutôt, excusez-moi, avec Coco évidemment. Et puis ce petit squelette, regardez, c'est trop beau, c'est trop beau. Excusez-moi madame, pas besoin de... Eh vas-y, venez voir. Clairement. C'est pas trop beau? Le petit détail qui tue, évidemment. Ah, les couleurs chaudes alors qu'il fait froid. C'est ça en fait, c'est des petits détails des... Il fait froid mais il y a quand même des petites couleurs chaudes qui font penser au Mexique. Ah, arriba. Arriba c'est espagnol. On est au Colonel Attis à Adventureland et vous allez voir, regardez juste derrière moi comment ça rend trop bien cette zone avec toutes les petites lumières, ça rend trop beau. Thank you.
Comme vous avez pu voir, notre petit tour, on était à Fantasyland. Honnêtement, la zone du carrousel et celle des tasses, elle est juste trop trop belle. Et forcément, Small World, ça rend trop bien. Bref, là on va faire le dernier land, évidemment, de ce parc. C'est Discovery Land et vous allez voir. Les petites couleurs vertes avec des néons, ça rend trop bien. Allez, suivez-moi. Okay, wait. Mais non. Regardez un peu qui est au bout de mon crochet. Je t'ai attrapé, petit garnement. Cette fois, tu es à moi. J'ai attendu trop longtemps. Il semble que tout le monde s'amuse ici, et sans moi. Bon, et bien j'espère que ce petit vlog nocturne à Disneyland Paris vous aura plu. En tout cas, c'est vraiment pour vous montrer qu'à Disneyland Paris, quand il fait nuit, c'est vraiment un autre monde en fait. C'est vraiment une autre facette qu'on voit Disney quand c'est la journée. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Petit like, partage, abonnez-vous et surtout n'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver. Alors, pourquoi pas vous ?